on est passé à Saint-Denis-Ville parce que Dave elle avait un rendez-vous à prendre. Là on va aller faire nos courses pour le cyclone puisque du coup il arrive et apparemment il va être chaud. Donc on va aller faire nos courses. Ce soir on va aller dans notre villa que je vous ai montré. Et moi je l'ai pas encore vu. Hein. Ouais c'est vrai. Attends je te filmais même pas. Donc ouais on va aller à la villa et on va se faire soirée là-bas. Tranquille. Et il faut absolument qu'on fasse les courses parce que dans la villa il n'y a rien. Même du gel douche il n'y a pas. Allez on va faire nos courses pour ce fameux cyclone. On va prendre de l'eau à manger. Du gel douche. Ouais les bougies parce que si on n'a plus d'électricité ça va vite nous calmer. J'aurais bien pris une galette des rois moi. J'en ai pas au Canada. Ah ouais t'en as pas? Non. En plus elles sont géniales, galette, coco, choco, noisette. Moi j'aurais pris plus frangipane non? Ouais de ouf. La base galette frangipane. Oh. Là vous êtes une frangipane non? Une grosse? Bah ouais non 8 pas. Allez vas-y. La plus sympa celle là non? Ouais parfait avec le truc pas de patrouille. On va prendre une lampe. Comme ça, c'est ton jamais. 21 euros quand même. Et après, là il y a une petite, mais c'est 25, donc elle 21. Et c'est avec des grosses piles par contre. Je sais pas les grosses piles où elles sont. Là, elles sont pas données. Mais là il y a des souvenirs plutôt pas mal. Voilà, on va partir là-dessus. Moi j'aime bien ça. J'aime beaucoup ça. Je vais voir ce qu'il y a. Ça c'est pour les enfants. Trop bien ça. C'est à 5,20 en plus. C'est quoi les recettes? Ouais, en fait, je vais en prendre. Entrée, viande, poisson, je les ai. Et ça c'est pour faire tes rougailles. Tu sais les petits rougailles concombres qu'on a goûté et tout, c'est pas mal ça. Ouais. Je vais prendre lui moi je pense. Plus de 100 recettes en plus. Et là c'est pour ta calendrier avec toutes les photos. C'est trop beau. Ouais pareil, je vais prendre ça. Parfait. Regardez les gâteaux comme ils sont grave beaux. J'aime trop. C'est vraiment tropique. Hein. On n'a pas ça en France. On va prendre du poulet. 15,10€ seigneur. Ouais, la réunion. C'est la dinde, moi je mange pas de dinde. Ben on va partir sur le poulet. Là, c'est la dinde. C'est que de la dinde là. Attends, là c'est les grillades. Bon, on va prendre ça. Hein. 6,44€. Oh, voilà, parfait. Emballé, c'est pesé. Let's go. Hop. Ah ouais, c'est le duo. Parfait. C'est nickel ça. Oh là là, 6,65. On est en train de chercher du riz. Il n'y a que des gros sachets et on a trouvé celui-ci dans un rayon. Mais 6,65. Il n'y a que 1 kg, c'est abusé. Hein. Je vais aller retrouver les filles, elles sont là-bas. Mais là, il y a tout le monde qui est en train de faire ses courses. Comme vous voyez, c'est vide au niveau des conserves. Tout le monde fait sa réserve là avant le cyclone. Mais regardez, tout vide. On a galéré à trouver ce qu'on voulait. Et au final, ça, 6,65. Du coup, on est en train de faire les courses. Il y a tout le monde. Déjà, il n'y a plus d'eau. Donc, on ira voir dans un autre magasin. Là, on regardait pour... de lait, il y avait les petites ici hein. Bric de lait, toutes petites. Tu veux qu'on prenne du lait? Je sais pas, tu voulais du lait? Ah bah c'est bon alors. Du coup il nous faut le beurre et la crème fraîche. Là c'est le fromage. Ah d'ailleurs pour les pâtes. Ouais je prends du gruyère. Attends c'est où? Comment il en manque? Ah là il y a des petites. Ouais croisées. On va prendre ça. Là ça me fait bizarre d'en voir puisque du coup au Canada on a tous les fromages du monde râpés mais pas le gruyère, c'est un misère à chaque fois. J'en trouve au Costco mais j'en ai pris plein pour les garder. Là t'as des mini. Ah c'est soja ça. Regardez. Regardez comme c'est vide. Rien du tout. J'espère qu'on va s'en sortir de cette histoire. Hein. On va pas rester kéblo je sais pas combien de temps. Mais regardez-moi ce coucher de soleil, incroyable. Vraiment trop beau. Et là, vous voulez voir la vraie vie ou pas? Voilà. Non mais franchement, c'est magnifique. Trop beau, j'aime trop. Et là-bas, on a les nuages, là, ça commence à partir en live, là.
Bon, regardez-moi ce coucher de soleil magnifique. Avec tous les palmiers et tout. C'est incroyablement beau, j'aime trop regarder. Même la route, l'herbe et tout, elle est parfaite. C'est trop trop beau, j'aime trop. Mon Dave, elle est arrivée, elle est allée aux bons enfants. Elle nous a apporté des petites barquettes. Là, on va manger tranquillement. À la villa avant le cyclone, ça va être pas mal. Oh, regardez, on a rentré le salon de jardin. On a fait notre petite soirée, on est éclatés. Puisque là, il va y avoir le cyclone, donc ça, on l'a rentré. Le lit, on peut pas, ils nous ont dit de le laisser. Et là, on va aller se coucher. Ça va faire du bien. Et regardez, Mélissa, voilà. Elle a fait sa chambre. Parfaite. Le livre, les valises rangées. Elle vous a mis toutes les tenues et tout ici. On dirait qu'elle habite là, la meuf. Hein. Regardez. Et là, carrément, elle nous a mis tous les produits. On dirait vraiment qu'elle habite là. Elle a tout pris. Les serviettes et tout, tout bien rangé. Oh, j'avais pas vu les produits là-bas. Bref, voilà. La chambre de la personne qui vit ici. Les chaussures là-bas. Elle est venue gratter dans ma chambre. Crevée. Mélissa, ouais. Deux salles, deux ambiances. Elle a tout rangé, ma chambre. C'est le Sbel International. On dirait que là, tu repars demain matin. Tu filmes, là. J'ai filmé mon bazar. Mais t'as juste posé aussi. Ouais. Là, j'ai du linge propre qui a été lavé à l'étang salé. Là, j'ai mon... Elle a précisé, t'es là. À l'étang salé, au castel. Bon, on vous reprend, on est dimanche 14. Du coup, meet-up annulé, décalé à mercredi en espérant qu'il fasse beau mercredi. Ce matin, c'est réveillé, il faisait à peu près beau. Là, ça y est, ça commence à se gâter. Il pleut, c'est couvert et tout. Et ce soir, du coup, ça va être le gros cyclone. Donc là, on va aller faire trois courses. On a déjà fait hier, mais on va re-acheter du café aussi. La chance, c'est important. Ouais, la porte est galère. Voilà, total, là. Et voilà. Et après, on va aller un peu tous se confiner ici, ça va être pas mal. On est rentré des courses, ça y est, on n'a toujours pas trouvé d'eau. Heureusement qu'on en avait trouvé hier soir. On a fait les courses là pour 2-3 jours. On va tout cuisiner aujourd'hui parce que si jamais il n'y a plus d'électricité, vu que la plaque elle est électrique, on va galérer. Donc voilà, on a fait toute notre petite course. Ouais, chips et tout là, ça va être top. C'est moi ce qu'ils mettent. Ah, mais moi les palerilles. Mais t'as tout bien rangé quand même. Hein. Regardez, on dirait qu'on habite ici. Donc on a rangé le frigo. Il fait que de s'ouvrir. Ouais, c'est un petit peu embêtant. Mais dessus, n'importe quoi. Et là, on va caler des bouteilles d'eau dans le congélateur. Ah, mais j'ai déjà calé le Monster. Ouais. Regardez, Dav, elle nous a fait un super beau plateau d'apéro. Trop bien. J'aime trop. Pas mal, hein, on va casser la croûte. Grave. Je reprends comme ça, on s'est tous baignés, ça fait grave, grave du bien tant qu'il fait à peu près beau. Là, on est en train de se faire un apéro parce qu'il y a Léa et Romain qui sont arrivés. On s'est posé. Mélissa, depuis tout à l'heure, elle est en train de cuisiner. Donc, elles ont fait la salade là avec les œufs. On a du maïs ici. Et là, du coup, Dave, elle a fait le riz dans la machine à riz. D'ailleurs, ça m'a fait rire. Dans le Airbnb, il y a une machine à riz. Hein. Ouais, qu'on est à la réunion, je vais laisser ça comme ça. Ouh là là. Est-ce qu'on s'en sort? Bon, tant pis. Et là, salade de pâtes. Regardez. Nickel. En fait, fallait cuisiner absolument aujourd'hui parce qu'il arrive demain le cyclone et il risque de plus avoir d'électricité, panne d'eau et tout. Donc tant qu'on pouvait cuisiner, on le faisait. Donc voilà, moi j'allais me changer. Parce que je suis en maillot. J'allais mettre un pareo, je pense. Puis on va se faire notre petit apéro. Bon voilà, au moins j'aurais vécu un cyclone à La Réunion, on va voir ce que ça donne. Je suis deg de ouf pour le meet-up, mais on le décale au mercredi. Il y aura moins de monde qui pourra être là puisque du coup, le dimanche, ben, les gens travaillaient pas, donc c'était sympa. Mais là, le mercredi, j'en travaille. Mais bon, je pourrais quand même en voir quelques-unes, donc je suis contente. On va voir ça. Là, comme je vous ai dit, je vais mettre mon pareo, je vais me poser et on va être tranquille. On va passer des bonnes journées ensemble, ça va être drôle. On a juste pas pris de jeu de société, on va essayer de trouver sur le téléphone un truc de jeu. Et puis voilà. Je trouve ça trop beau. Hop, regardez le jardin, canonissime. Là, la piscine. Tout le monde est en train de s'amuser et tout. Là-bas, c'est le front de mer. Je sais pas si vous allez bien voir, j'essaie de zoomer. On voit quand même un peu, hein. Ça souffle un peu, là. Mais voilà.
Au moins, on aura eu une belle vue. On a pu prendre 2-3 photos et tout. C'est sympa. Ah, sinon, regardez ce que j'ai acheté tout à l'heure au Leclerc. Des petites cartes comme ça de meilleurs vœux avec des photos. Et là, on peut écrire. Et derrière, vous avez là la carte. Et il y en avait où il y avait des recettes. Ah, voilà. Carrie langouste. Là, c'est les samoussas. Carrie poulet. J'aime trop. Et j'ai pris des petits calendriers comme ça, île de la Réunion, avec des photos. C'est trop, trop beau. J'aime trop. Magnifique cette photo-là, dans la carte avec l'éruption du volcan. J'aime trop. Je vous reprends toujours en direct de la maison. Il fait toujours aussi beau et aussi bon. Du coup, on se baigne. Je suis dégoûtée. J'ai reçu des messages, j'ai dû faire une story. Parce que du coup, tout le monde m'est tombé dessus en mode « Ouais, mais nous, on peut pas venir mercredi et tout pour le meet-up. » J'étais dégoûtée. Donc, ouais, j'ai fait une petite story pour expliquer que ben, c'était pas notre faute. C'est un cyclone et même moi, ça m'embête. Vous voyez, genre là, on est bloqué à la maison. Donc voilà, mais on est en train de profiter. Un peu de piscine, ça fait du bien. Regardez, Léa, elle a sorti sa mallette pour les ongles. Elle va me faire de l'ongle de pied parce qu'il s'est cassé, là. Je sais pas si on le voit. Il est cassé, donc du coup, elle va me le faire. On va se poser là, tranquille. Et après, elle va y aller parce que là, ça commence à se gâter le temps. Bon, j'ai du linge à faire, du coup je vais en profiter pour ranger ma valise et mettre tout dans le placard. Donc à faire, hein, on n'a rien à faire, on peut pas sortir. Là on a une alarme, j'ai pas pu vous la filmer parce que ça allait hyper vite. Une alarme à 17h pour nous dire parce que ça va être l'alerte rouge ce soir. Donc voilà, on est confinés tant qu'on a de la lumière, enfin de l'électricité, de l'eau et tout. J'en profite, donc je vais tout ranger. Pour pas longtemps, mais bon, ça passe le temps. Après, j'allais faire des crêpes, vu qu'on a préparé à manger en avance. Faut que je fasse une machine aussi, c'est pour ça que j'ai sorti tout mon linge. Comme ça, je range ce qu'il me faut. Et le reste, je mettrai à la machine. Pareil, vu qu'on va pas avoir d'électricité, il va falloir qu'on gère ça en avance, de pouvoir bien faire notre linge nickel. Voilà. Du coup, c'est bon. J'ai rangé toutes mes affaires. Donc, je suis contente. Regardez mon petit panier de la Réunion. Trop beau. Et là, on a un coucher de soleil incroyable. Je vais vous montrer. Il est trop beau. Regardez. Trop magnifique. J'aime trop. C'est incroyable. Vraiment trop, trop beau. Regardez là, la petite plante ici. J'avais pas vu. Il y a une maison toute en bois ici. Trop belle. Voilà, il fait bien chaud et tout, là, vraiment les tropiques, mais regardez là-haut, ça commence à être le bazar. Hein. Je vais baisser la luminosité, comme ça vous voyez mieux comme moi je vois. Et là, oh non, ce coucher de soleil, oh my god, il est incroyable. Regardez-moi ça, c'est pas magnifique, avant qu'on ait le cyclone. Mais c'est trop, trop, trop beau, j'aime trop. Et regardez là-bas au fond, c'est l'eau. Regardez comme c'est... Mais c'est incroyable de voir des choses pareilles. Comment ça ? Je dirais une folle qui dit ça, mais regardez l'eau au loin. Trop, 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 trop magnifique. J'adore vraiment. C'est pépite. I think.
Bon, du coup, j'ai préparé des crêpes. On a mis les salades ici. Après, on les mettra au frais. J'ai nettoyé le saladier. Et je vais faire les crêpes et je vais préparer du café. Parce que s'il n'y a plus d'électricité, on ne pourra pas faire de café. Donc comme ça, je vais préparer d'avance et je vais les mettre au frais. J'ai fait la pâte comme ça, et une fois qu'il n'y a pas de grumeaux, comme on est là, c'est là que vous pouvez du coup l'assoupir avec du lait. Girl, I see your face everywhere. When I'm going out, you'll be there. Cause everything reminds me of you. I can't take. Les gars, il est 9h. Je viens de me réveiller parce qu'il y a là le vent. Regardez. Beaucoup de vent, de pluie, et encore je pense que ça c'est pas le pire. Vous entendez les rafales? Attendez, est-ce que ça va me faire mieux? Non, ça souffle bien. Du coup, vu qu'on risque d'avoir des coupures de courant et donc de, comment ça s'appelle, d'internet, je vais télécharger des trucs un peu sur Netflix à regarder. J'avais déjà des trucs téléchargés sur Disney Plus de quand je suis partie, et du coup là je vais prendre Netflix un peu parce que s'il y a une coupure après on n'a plus rien et on va s'ennuyer. Bon, on a mis le petit déj ici, on a ouvert la fenêtre là, on voulait ouvrir la fenêtre de Mélissa qui est ici pour avoir accès à l'eau de la piscine au cas où on n'a plus d'eau genre pour les toilettes et tout, sauf qu'elle dort, elle répond pas donc on peut pas. Et là, il y a Dave, elle est en train de remettre la poubelle parce qu'on s'était dit on va mettre de l'eau dedans. On va se servir de ses cheveux si jamais elle nous ouvre pas. La poubelle, elle n'est pas étanche, on est deg. Du coup, on a mis un peu d'eau là-dedans. On n'a même pas de bassine, rien du coup.
Et là, on fait des pâtes au cas où. Regardez, ça repart en live encore pire. Oui. Là, il y a un arbre, là, un cocotier qui a cédé. Les arbres, c'est le white. Là, le branchement électrique, ça va casser là dans 5 à 10 minutes, c'est sûr. Donc, pareil, on essaye de télécharger au max. Bon, je vous reprends, je vais vous poser là. Il est 10h30. L'électricité a fait que de sauter. J'ai pris ma douche parce qu'il fallait absolument que je lave mes cheveux. Donc avant qu'on ait plus d'eau, qu'on ait plus rien, j'ai lavé mes cheveux et j'aurai le temps de faire mes soins. Du coup là, avec tout le cyclone, je vais m'habiller, on va préparer le poulet. On va essayer de préparer au max de nourriture au cas où il n'y a plus d'électricité, même ça va sauter là. Donc voilà, je vous filmerai un peu le cyclone. L'île intense, ben là je l'ai eu, l'île intense. Comme j'ai dit à Walid, c'est pas grave, genre on est entre amis et tout, on est dans une maison qui est hyper récente avec des volets, parce que c'est pas partout qu'il y a des volets. On a des volets, on a tout ce qu'il faut, genre ça va, franchement ça va, on va juste attendre que ça passe. Et puis voilà, de toute façon je vais vous vlogger, puis vous aurez du coup un vlog dans un cyclone, voilà. Et chez moi là c'est la tempête de neige, donc quand je vais rentrer, on va avoir tempête de neige. Et en France c'est le bazar aussi apparemment, il va neiger et tout à Paris, enfin bref. Le vrai vrai bazar, genre là la terre là, elle est pas contente, hein, je vous le dis. Bref, je vais m'habiller, je vais faire le poulet et de toute façon je vais vlogger tout ça. Moi Mélissa elle est en train de jouer avec Lina, elles font des couleurs et on s'est dit qu'on allait lui faire une pâte à sel. Parce que sinon elle, la pauvre, va finir par s'ennuyer. Mmh. Là elle est contente. Tu vois, tu vas faire. Alors pour la pâte à sel, farine, on a besoin de 2 ou 3 pots je crois. C'est 3 il me semble. Alerte extrême. Extrême grave, extrêmement grave. Alerte rouge, ben ils sont en retard ou pas? Alerte rouge commence ce soir à 20h. Ah ouais, mais juste parce que t'es encore au Canada, il y a des heures de décalage. Oui, mais ils ont pété les téléphones déjà en violette. 9h. Donc je disais, il nous faut 2 ou 3 pots. Attendez, je vais regarder ma recette. Oh là là, il n'y a plus de réseau. J'ai plus de réseau moi. Bon normalement il faut un pot de sel, mais vu qu'on compte quand même manger à un moment donné dans cette maison. Alors un verre de sel fin pour 2 verres de farine et 1 verre d'eau tiède. C'est ça, moi je vais garder ça. Donc j'ai mis 3/4 de pot de sel et l'eau tiède, on va la faire chauffer un peu là. C'est bon. Girl, I think I'm losing my mind. Try to go to work, but I lost track of time. Everyone keep looking like you. I can't take no more. Bon mais du coup regardez la pâte à sel là, j'en ai plein les doigts mais elle est parfaite. Elle est bien élastique. C'est nickel. I can't take no more. Girl, I think I'm losing my mind. Try to go to work but I lost track of time. 'Cause everyone keep looking like you. I can't take no more. Regardez comment ça part en live, on voit pas trop là encore, il y a plein d'eau qui s'est mis. Bon, le cyclone ça va un peu mieux, je sais pas si vous allez voir. Et du coup, on a Jordi qui est en train de nous remettre un peu l'extérieur. On n'a pas eu de casse nous dans notre jardin, mais on voit que les cocotiers et tout, ils ont pris un peu tarif. Oh là là, oui, ça qu'est-ce fait. Qu'est-ce que tu fais là? Ah ben, il y a des gens qui se baladent, on n'est pas les seuls. Vas-y donc. Lui, il est complètement cassé, là, c'est tout fracassé. Et là. Ouais. Bon, mais il y a du monde qui sort, on n'est pas les seuls. Regardez par ici, il y a une tôle en Y là. Oh, il est complètement ravagé le truc. Ah ouais, là c'est bazar. Hein. C'est une mangue. Hein. Ouais, c'est une mangue ça. Hein. Mais je pense qu'elle est pas bonne. Ah non, elle est toute dure. Elle est déjà un peu molle. Hein. Ah ouais. Eh ben ça fera le repas du soir, tiens. Regardez là, on a le. Pour nous, on a tout laissé ouvert. Regardez le portail, enfin le grillage. Il est complètement ravagé, les pauvres. Tu vois, c'est les bouts de... Moi, c'est les bouts de toile. Comme de... C'est du fer, ça, en plus. Ça a tout pété ici. Là, comme ça. Ici aussi. Ah oui, là, il y a tout qui est tombé. Regardez.
Le truc est tombé là. Allez. Bon. Alors. Prions tous ensemble pour la gloire de Lou et ses cheveux qu'on va cramer. Mais putain, à fond. Mais non, plante-le. Non, mais là, t'en as trop mis. Mais c'est pas grave, t'es pas perdante. J'ai bien sûr que je suis perdante. Oui, je t'ai en plein dans le truc. Si vous savez pas quoi utiliser comme bougeoir ou photophore, vous n'avez pas la thune, vous prenez ça avec un petit peu de sucre, parfait. Encore mieux, vous prenez du sable et c'est mieux. Paf, pour vos repas de Noël. Il s'en prend une sur la tête d'un coup. T'en vois pas. Ah voilà. Il fait jaune et il y a un gars qui est en train de ramasser les cocos sur le toit. À tout moment, parce qu'il y a encore jus. À tout moment, il s'en prend une. Bon, on est dans les problèmes parce que le portail est électrique, on n'a plus d'électricité, on ne peut pas sortir la voiture. Ouais, tu vois, c'est bloqué dedans, en fait, tu dois avoir le... On est bloqué, on n'a plus d'électricité, donc on ne peut pas ouvrir le portail pour sortir. On avait préparé toutes les affaires qu'on a mises dans le coffre et là, maintenant, on attend. On attend un appel. Ouais, parce qu'on a essayé d'appeler nous, évidemment, par le réseau, ça bug. Du coup, Mélissa, elle a demandé à son chéri d'appeler depuis la France, mais il ne rappelle pas. Et puis on commence à plus avoir de batterie. Ouais, on n'a plus de batterie, on n'a pas. On a ni batterie, ni électricité. L'ordinateur de Lou. C'est bon, on a réussi à ouvrir. Non, pas encore. Un petit peu quand même. C'est déjà ça. Oh là là, trop bien. Merci Seigneur là. Là-bas. Stop-toi comme ça, Jordi. Parce qu'après, il va falloir le refermer encore le portail. C'est notre histoire ça. Merci beaucoup. Hein. On sort la voiture. Et ensuite, Jordi va remonter tout le cache autour du moteur. Donc c'est surtout ça. Et je peux pas faire un rassemblement sur la plage, c'est interdit. En tout cas, on n'a pas le droit. Mais oui, mais c'est ça. C'est ça le problème. Parce que moi, je serais dit, ben, ça, on le fait en extérieur. Mais c'est interdit. Après Léa elle avait appelé la mairie et ils avaient dit oui on peut vous allouer un stade et c'est moi j'avais dit non un stade enfin c'est galère tu vois pour faire quelque chose de bien et tout mais là faudrait peut-être voir si c'est possible d'appeler la mairie et de voir si on peut avoir droit à un stade même si ça va être un truc entre guillemets genre vraiment vite fait il n'y aura pas d'animation il n'y aura rien mais juste histoire de se voir 5 minutes tu vois mais juste histoire d'être là et c'est ça c'est ça. Regardez, on est allé au souffleur. C'est trop beau. Je vais vous montrer quand ça va souffler. Voilà, regardez là, ça fait un petit peu. Et après, quand tu auras une grande vague, ça va souffler encore plus fort. Vous avez vu? Trop trop beau. C'est magnifique. Regardez le ciel comme il s'est découvert. Franchement, beau soleil et tout. C'est magnifique. Le soleil est en train de se coucher petit à petit. Trop trop beau. Oh, regardez, on est comme c'est trop beau. La petite case créole. Et là, avec les palmiers. Et l'eau. Tu veux aller avec maman? On voit pas. Ah, si, ça y est. Elle veut venir avec vous? C'est incroyable. Regardez comme c'est trop, trop beau. J'aime trop. Pour un coucher de soleil.